Chatong. C'est quoi tes Arrête. lunettes? C'est des afflux loups? T'es flou. C'est des Ray-Ban. Madame la gouverneure. Oui. Ça va? Oui, ça va et vous? Ça va, ça se passe bien. La climatisation du bâtiment, elle fait plaisir. Hein. Ah, vous avez vu? Ah ouais, là, il fait trop chaud dehors. Ouais. C'est un truc de fou. C'est ça. Ah putain. Du coup, il y a personne d'autre, y en a d'autres qui arrivent ou pas du tout? Il y en a qui ont donné des nouvelles? Ok. À mon avis, elle en sait rien. Ouais, je pense. Et c'est bizarre parce que... De toute façon, je pense que je vais me changer un peu de style. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça? Pense que je me fais la moustache. Bah, moi déjà je vais aller me raser un peu. Parce que c'est trop épais là. Et je vais mettre des gants. Ah, tu vois? Mais des intégrales, pas des gants avec des trous. Ah bah ça après, c'est à toi de voir. Ouais. Changement ce pantalon là, on dirait un jogging. Ah, tes conneries. Je te jure, on dirait un jogging. Ça met pas en valeur tes fesses. Quand tu prends un slim, t'as un cul bombé. Il y a ma veste par-dessus les fesses, qu'est-ce que tu racontes? Mais, t'es bête ou quoi? Quand tu cours, on y voit tes fesses. Moi, tu vois, c'est moulant. Et au moins, ça met en valeur le paquet aussi. Tu vois, devant, Ouais, mais c'est en valeur. justement, moi c'est trop épais, ça sert trop après. Oui, bien sûr, et ta connerie, ouais. Non, mais c'est pas de la connerie, il est con. Oui, bien sûr. Oui, ouais, toi aussi, t'as un chip de 22 comme l'autre là. Ou sinon, tu t'en fais faire un sur mesure, t'as les moyens, non? J'ai pas besoin de me faire un sur mesure, vieux. Comme ça, tu te fais un slim. Regarde, quand même, regarde. C'est plus joli, regarde. Moi, en plus, regarde, ça atteint. On voit bien les chaussures comme ça. Toi, t'as vu, ça descend dessus. C'est le but, j'aime bien quand ça fait ça. Ah ouais? Ouais. Un peu pas de def et tout? Ouais, mais en fait, c'est une coupe droite, hein, c'est juste que ça descend plus bas, tu vois. Ouais, mais regarde, il est froissé un peu. Alors que tu vois, moi, ça fait lisse. Ça fait bien, tu vois, avec la veste. Ouais, mais ça fait trop Mais d'ailleurs, lisse. en plus, cette veste, normalement, l'ensemble, c'est cette veste avec ce pantalon, normalement. La veste que j'ai, elle va avec ce pantalon. T'as Toi, normalement, je crois que c'est ta une connerie, elle va veste. bien avec toi. Non, je te jure, c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Hein. Mais Ouais. toi, la veste, normalement, qui va avec ce truc, c'est un truc un peu plus ample et tout. Mais tu sais, ils ont des bandes blanches sur les côtés. Tu sais, ça fait un peu costard de soirée ou costard de mafieux, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que dans ce modèle-là, t'as des motifs à carreaux, t'as des motifs avec des motifs. C'est comme Al Capone. Tu vois Al Capone, tu vois comment il est habillé? Bah là, c'est pareil. La mena chegue al jefe, la vivi la ratatacar.
Ouais, mais elle est encore. C'est pas la peine là. Là, elle est en discussion avec plus haut qu'elle. Là, je pense qu'il y en Aussi. a pour un moment là. Ouais. Apparemment, ouais. À qui? On verra bien. Bonne C'est question. elle qui a un problème? J'en sais rien. Apparemment. On verra. On verra. Ah bah si, On verra ouais, ce j'ai qu'elle nous capté. dit. Mais pour l'instant, là, je pense qu'elle va être occupée un petit moment là. Pourquoi tu voulais la voir si c'est pas indiscret? C'est par rapport au... à l'Espidi. Elle est speedy? Ils informent pas qu'il y a un avocat. Ah, Informent pas ok. qu'il y a un avocat et en plus ils précisent pas que les services sont gratuits. Ah ouais? Vous en aurez. Mais comment vous êtes payé? Par le gouvernement Par le directement? gouvernement, oui, j'ai 1500 euros de paye, j'ai pas besoin de plus. D'accord. T'as Oh, combien? c'est bien ça. J'ai pas compris, t'as dit Et quoi? écoute, je suis pas là, j'ai 1500 euros de paye, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de. Hormis si c'est des dossiers énormes avec des trafics de drogue. Très très important et que là il faut vraiment que je me penche sur le sujet. Si c'est pour des délits basiques, ça me prend Ah, je vraiment comprends. 30 secondes de vous sortir. Ah ouais. Franchement là, le mec il est rentré, il a pas voulu d'avocat ou j'ai pas tout compris. Déjà il y avait une grosse erreur dès le début, je dis pas parce que je ne dis rien d'ailleurs. Ah mais c'est tes affaires, ouais, tranquille. Mais ouais, je vois. Si ça te suffit, écoute. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes, même en gouvernement, enfin, si vous n'êtes pas en fonction ou quoi, appelez-la moi. Ouais, ça marche. Ceci. Ça marche, ça Tu connais marche. bien le droit Mais du d'ailleurs, coup. faut que je vois là. Putain, c'est con que j'ai pas son nom. Attends, c'est à qui la voiture devant là-bas, c'est la tienne? La mienne. À gauche? Ouais. Ouais. Derrière le ballard. Bah oui, il est arrivé avec, tu l'as pas vu? Ah non, je regardais pas devant moi, non. Ah, oui. Fermé et baillé quand je suis arrivé. Disons que je suis très pensif. Genre très pensif. Genre Ma très voiture. pensif. Acheter. Par contre, quand tu parles, toi, c'est. Dis donc. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en vrai, je crois que je vais m'asseoir parce que là, ça me commence à me saouler d'être debout. Voilà, mes jambes, elles fatiguent. C'est Pas bon. comment ça se fait. Hop. Tu sais pas comment s'asseoir? Non. Alors, je vais t'expliquer, regarde bien. Tu vas plier tes genoux dans un angle de. Attends, laisse-moi réfléchir. Que je trouve le bon angle. Et l'angle est 244 degrés. À peu près. Après, tu peux faire 241, 242 degrés. C'est pas très grave, tu vas juste être un peu décollé de la chaise, quoi, mais ça va. Ouais, je peux vous. Regarde comme je suis belle. Voilà. C'est degré là parce que j'ai pas compris, je suis un peu con. Ok, alors je t'explique. T'as vu quand tu danses? Je sais pas faire non. Tu sais pas Oh danser? putain. Non, Ok, mais non, mais moi je t'as débarque. vu? Pourtant, c'est Viens, simple on de parle un danser peu de arrière. voiture. Viens, on parle un peu de voiture. T'as vu? Il y a les Formule 1. Il y a les F1. Et tu sais qu'ils vont faire une gamme de F2? Ça existe déjà. Hein. C'est vrai? Ok. Bah, tu vois, je savais même pas. Pete. Après, t'as vu? Après, t'as vu, Émotion. tu prends le premier. La première F2. Apparemment, elle est plus puissante et tout, elle est bien. Et après, tu plies tes jambes à 244 degrés. Attends, j'ai un peu des difficultés dans ma tête. C'est pas ça du tout. Ouais, mais tu commences à comprendre. Je me suis trompé, je sais pas du tout, je suis pas le bon truc.
T'es en galère, monsieur l'avocat? Moi je suis complètement perdu avec vos trucs. Ok, tu veux que je t'explique plus simplement? Parce que je suis en train de régler ma... enfin, la façon dont je marche déjà. Ah, mais ça, à la rigueur. Eh ben, t'as vu là où tu règles la façon dont tu marches? Ouais. Tu prends deux articulations au-dessus. Il n'y a qu'un mot sur ton articulation. Yes. C'est bon? Et là, tu mets 244 degrés. C'est bon? Tu mets 244. 244. Putain, je viens de capter. C'est bon? C'est bon, j'ai capté. Ah mais c'est long. Ah oui? J'ai jamais dit que ça l'était pas. Pourtant, je t'ai bien expliqué quand même. Je trouve que j'ai bien géré J'avoue, là. Hein. j'avoue, 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 j'avoue. Là, l'improvisation, elle était nickel. Hein. Je suis pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. J'ai que 241 degrés. T'en as pas d'autres? P. Ben voilà, là t'es bien. Ah bah voilà, parfait. Reste comme ça. Ouais, alors par contre là c'est bizarre du coup. Écoute, je teste, hein. Donnez-moi tranquille. Oh là là, calmons-nous, Ah ouais, calmons-nous. solide. Ah ouais, Pardon, pardon, solide. excusez-moi, je vous rassure, non mais... Samir, tu veux pas t'asseoir? Non, non, tranquille, j'étais assis toute la journée, donc... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il vient me répondre. Je vais te casser le dentier. Ah bon? Va pas comprendre. Tu vas te casser le dentier? Putain, c'est violent quand même. Humeur. En plus, tu fais ça à une personne âgée vu qu'elle a un dentier. C'est quand même dommage. La pauvre dame, elle a rien demandé. Alors, ok, F3. Formule 5, c'est ok. Formule 6. Licence, donner une amende. Alors, Une je vais amende. m'écarter. Je vais te laisser la prendre, Ravid. Non, il va rien faire du tout. T'as failli te la prendre. Bien joué. Bah, de toute façon, tu l'as au-dessus, m'aurais remboursé, hein, je te le dis. Oui. Ok, donc N'est-ce ça pas, c'est la Maître carte de Dupont? SIM. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été con quand même, un Fedora avocat qui se fait attaquer en exhibition. justice. Il m'a Ok, mis une amende c'est. gratuite, je l'attaque en justice. Tiens, parce que Federal je suis pas sûr que tu sois Investigation gagnant. Bureau. Department of Justice. Ah, en tout cas, il y a du budget au gouvernement, alhamdoulilah. Parce que là, regarde le. Quand même, j'ai jamais remarqué, mais t'es en haut les lampes et tout? Ça doit coûter une blinde, ça. Non mais, je te rappelle qu'on a 49 étages dans la tour. Ouais, non, mais oui, mais j'avais jamais fait gaffe. Je m'arrête qu'au 49ème, moi je vais pas aux autres. Les autres, c'est de l'administratif, je m'en fous. Bureau là-haut ou pas? Ouais, tout là-haut. Ah, moi, est-ce que j'en ai un? Attends, c'est vrai ça, on n'a pas de checker du coup, Si, putain, elle l'a dit tout à on... l'heure, elle a dit on a des bureaux. Bah viens, on va checker vite fait, non? Bah Bah je allez-y. pense qu'elle en a pour un petit moment encore, hein. Bah allez-y, Je pense allez-y. qu'elle en a encore pour un moment, hein. Je vais les Reste... prendre moi les Fais ce que t'as à faire. Tu veux pas venir? Non, moi je m'en fous du bureau. Ah oui, c'est pas toi qui fais le recrutement, tu m'étonnes. Bien sûr que si, mais... Moi j'attends mes collègues là qui sont censés arriver dans, enfin, dans quelques jours. Dans Pour quelques toujours là. jours. Ouais, parce qu'on est trois maîtres Dupont. Maître Dupont, moi c'est avec un D, il y en a un autre c'est avec un T, il y en a un autre c'est avec un P. Oh putain. Bon, si Oh, vous pouvez pas vous appeler autrement. on a nos prénoms qui différencient. Ouais, super, mais bon. Parce que quand il va arriver, je vais devoir changer ton... Je vais devoir mettre ton prénom plutôt que ton nom de famille, quoi. Ça va me faire taper des barres, je crois. Genre quand on fera une grosse audience et qu'il y aura plusieurs avocats du coup pour défendre les différents partis. Oui, donc je me présente Maître Dupont. Maître Dupont à la barre. Mais lequel? Lesquels on est trois, ouais. Ça va être grave drôle. Oh putain. Si tombé le juge, tu vas le rendre fou. C'est le but.
Il va avoir la haine contre vous, le du coup ton client il va prendre tarif. Je l'ai dans ma poche. Ah ouais, le juge dans la poche. Ah la corruption, ah ouais. Quoi? Ah non. Oh putain, ça fait combien de temps que t'es en ville, monsieur Maître Dupont? Ça va faire 3 semaines. Ça va, 3 semaines, t'es avocat. Bon, je suis arrivé le premier jour, j'étais avocat. Hein. Ah ouais? J'ai découvert l'île par mon bureau déjà pour commencer. Ça s'est passé comment? Je voudrais être avocat. Ok, félicitations, vous êtes embauché chez le gouvernement. Ah ouais? Durant l'entretien avant d'arriver. Ça. Ah bah de toute façon, j'ai l'impression que les entretiens chez le gouvernement, ça va vite, hein. Mais je pense qu'elle avait un peu besoin surtout. Ouais. Là, demain, il y en a un. Bonjour, je vais être gouverneur. Je vais être procureur. Et je suis pelleteuse. Oh. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, elle est de retour. Ouais. Alors, je vous sors, ça ça va? va? Ouais, Ça. ça va. Ouais. Si, ouais, ça va. Ouais. C'est pas Va grave. mieux ou... Ça va le faire, ça va le faire. T'inquiète pas, Tina, on va te vider la tête. Mais oui. Et que la tête, hein. N'est-ce J'ai pris pas, une Samir? sanction, par rapport à quoi? Je me suis pas pris de sanction. Quoi? De quoi vous parlez? Du coup, John, il va bien? Ouais, je crois que ça va. Du coup, on va le revoir en ville? C'est pas le lieu pour discuter de ça en fait. Oui, je m'en doute, mais Ah oui, bah c'est arrête. histoire de. Du coup, pour revenir sur sur la base de pourquoi j'attends pour vous parler, les deux, enfin les agents du LSPD ont tendance à légèrement oublier le fait qu'il faille dire que bah, y a un avocat de présent et qu'il est gratuit surtout. Je Honoraire en fait. vous ai dit tout à l'heure que ce soir j'avais la réunion Non, c'est LSPD juste et que pour vous, j'allais c'est en juste pour parler. prévenir qu'il fallait bien dire que c'était gratuit. Ok. Bon les gars, moi j'en ai marre d'attendre après des gens qui se foutent de ma gueule, donc Ouais. on De toute va aller à façon, l'SPD. il Je suis bizarrement bien dit ça. d'accord. Et on a lieu suivant. Hein. Ah, je n'arrive pas à me lever. Ah par contre si vous... Non mais... Ouais, non, Lâche ta mais... télécommande, Khalid. Fermez derrière vous, monsieur l'avocat, s'il vous plaît. Tu conduis ou tu conduis? Je conduis. Je suis chaud. Hein, Samir? Je te dis, je conduis. Tu conduis? Ouais. Tranquillement. Tu m'entends sur la radio? Bah oui. Ok. Non, je sais pas, Enfin, j'ai non, je t'ai pas l'impression que entendu, je... non. Tu m'as pas entendu, on est Non. d'accord? Mais si, tu m'as répondu, t'es con, tu le fais exprès. Oui, parce que tu me parles à côté de moi. Attends. Tu m'entends sur la radio? Ouais, je t'entends. Allez, on est parti! Donc, du coup, direction la place. Non, PDP. Ceinture, et c'est parti. D'ailleurs, Pablito, il m'a dit qu'hier, apparemment, il y avait des mecs qui ont voulu choper la gouverneure. Vous les Quoi? avez tasés et tout, il m'a dit. Tout Mais quoi? il t'a raconté ça que... Quoi? N'importe quoi! Ouais? Ah, pas Non, mal. mais lui, Tu entre les M4, m'as entre les entendu, on 20 000 va au dollars. PDP. Oui, PDP, on a entendu, madame. Mais il a craqué, Pablito, en fait, il m'a menti tout le long. Bah, clairement, oui. Il est fort dans son genre. Il me saoule. C'est chaud. J'aime pas qu'on me mente en plus, ça m'énerve. Ouais. Y a personne, PDP. C'est un mensonge? Ah, si, y a des motos et tout, y a du monde.
dérange pas que je me joigne à vous ou... Bah non. toute façon, vu T'es que un c'est que peu des un membre du sondages, j'ai pas gouvernement, quoi. grand-chose à faire. Pierre, ça fume des clopes en service. Ouais. Putain. Ouais, franchement, elle relève et bon. Qu'est-ce qui est arrivé, radio? Hein? ABC. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu Bienvenue t'es... dans la radio. T'es assis sur quoi là? Vas-y, on verra plus tard. J'ai pas envie de parler là. Va sur la radio, toi. T'es pas censé l'avoir coupé ta radio. Et je t'entends, mais j'ai pas envie de parler que en radio, tu vois. J'en ai marre de ces conneries, voilà. Tu veux la serrer ou pas? Va radio, je t'ai dit. Ah bah ok, j'avais pas compris. Madame la gouverneure. Est-ce que vous pouvez actuellement activer un bouton sur votre radio? Radio. Parce qu'en Parce qu'en fait, fait je je pense que pense que vous avez vous avez triché. triché. Du coup, Du en coup, fait, en fait, on t'entend on pas. t'entend pas. Ça Je pense glissait que ça un peu glissait un sur peu la sur la radio. radio. C'est bon, j'ai été. C'est pas gênant. Nickel, nickel. Après, tu baisses le son. Le son de ma radio? Jamais de la vie. Non, Jamais de j'ai la pas vie, je baisse d'avis, le je son le de ma son de ma radio. radio, T'es t'y fou? fous. Non, mais tu baisses le son réel. Non, j'aime Non, trop j'aime sa trop voix. sa voix. Ah bah on est seul. Chat-dog. Ouais, donc du coup, je sais pas qui c'est qui m'a balancé. Mais en fait, la photo du message que tu m'as envoyé. Moi je sais qui c'est. C'est qui? Tu vas péter un gaffe si je le dis. Vas-y. Oh putain, tu fais chier Vas-y, c'est qui? hein. Attends, parce que je vais pas le crier comme ça ici. Y a personne. On est en radio. Ouais, Non, mais mais en c'est fait, quand je parle apparemment, en lui, radio, il est en c'est. radio. Je parle en ville. Il a pas réglé le truc, Je peux donc pas. il peut. Enfin, faudrait que je fasse ça. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est le mec des vignerons. Ah ouais. Il a remonté plein de problèmes. Hein. Et en fait, ce qui t'est arrivé là, c'est le minime de tous les problèmes. Il a remonté un tas de problèmes. Hein. Il a Avec remonté. moi? Non, pas toi. Toi, c'est rien, il y avait juste ça. Mais il a remonté d'autres problèmes avec d'autres gens, avec plein de trucs. Sauf que le mec, il est pas malin. Parce que ça, tu vois, Raven, il dit, ouais, c'est quoi ce message que t'as envoyé, tout ça. J'ai mais Raven, c'est le soir où on était tous ensemble au PC. Juste avant la tempête, il était 3 h du matin. Et qu'il y a l'autre connard qui nous a fait chier, qui s'amusait à te taper. Qui m'a fait des fucks et tout, et qu'on a enlevé, qu'on a kick. J'ai dit, donc j'ai juste dit à John, t'inquiète pas, lui c'est un admin. Donc on est en train de régler le problème. M'a dit, ah ok, c'est là, bon, mais fais attention à tes messages, voilà ce qu'il m'a dit. Ah bah ouais, Et normal. ça me casse les couilles, tu vois. Ah, ça me casse les couilles. Ouais. Tu sais pourquoi, Manu? Parce que je l'ai envoyé bouler. Ouais, je En sais. fait. Est-ce qu'il aime pas comment tu gères ton gouvernement parce que tu veux tout gérer toi-même? Enfin, c'est ce qu'il dit. Sûrement. C'est ce qu'il dit. Mais bon. En attendant, attendant, elle fait ce qu'elle veut, c'est la gouverneure, elle veut en gérer même tout seul. temps, j'ai Bon sang, envie de je sais gérer que je tout vais parler seul, mais j'y crûment. arrive, quoi. Tu vois, c'est Bonsoir. géré. Comment? Ouais. Je veux tout gérer moi-même, mais c'est géré. Ouais. Attends, y'a. Vas-y, faut reprendre un peu de sérieux là. Y'a du monde. C'est pas faux du tout. On n'est pas beaucoup, hein, et je vous dis, Madame Morgan, va y avoir du tri, hein. D'accord. Oh, il va y avoir de la place à Speedy, ça me plaît ça.
Ah bah il va y avoir une ouais, vingtaine de places, ouais. Quoi? Oh ouais, ouais. Le tri, je vais le faire, le tri. On s'y rend comment, en véhicule de police ou en... Non, on vous suit. Prenez votre bon, on vous suit. Bah venez, okay. Allez, let's go. Attendez, je vous fais une petite place dans le parking, vous mettez tout à l'arrière, ok? Ok. Ouais. Pour rentrer. Vas-y. Cross, il a dit que vous rentriez dans le parking, mais je sais pas pourquoi. Ouais, bah pour qu'on se mette là derrière le cortège en fait. Et voilà le gâteau, il sortit des cotons à la piste. On va la disputer. Arrête. Mais frère, tu dis cortège. Cortège, c'est le mariage. Arrête. Ils m'énervent, ils vont voir les conséquences. Oh, ça a gueulé chez les. Attendez, bah, du coup, je sais pas si je vais pouvoir monter. Bah, attends, recule. À la fin. Ok. Derrière, c'est toujours mieux derrière. Ah oui, c'est vrai, la règle d'or. On est d'accord. La règle d'or avec madame la gouverneure. Et n'oubliez pas vos ceintures, s'il vous plaît. Tu permets, je mets un peu de musique? Non. Attends. On se met quoi? Vas-y, on se met du rock, parce qu'on est des gangsters. Vas-y, mets-nous du rail. Non, fais pas ça. Ça va être compliqué. Tranquille, je te mets du rock. J'entends pas la musique là. Pourquoi pas de musique? Tiens. Pourquoi il s'arrête comme ça? Il est fermé sur le portail. Ah, c'est dommage ça. Mais ne rentre pas dedans. Recule, tu veux le mec qui veut reculer? Qui va péter un câble. Comment ça, une vingtaine qui oh, ça va, elle va être belle la cérémonie. Mais jure, c'est bon, roulez. Arrêtez d'échanger, wesh, c'est bon. Quelle catastrophe. C'est quoi, j'ai pas tout vu. Rien, il y a un policier qui voyait une porte fermée, du coup il pouvait pas sortir. Là, on va où? C'est une bonne question. Là, on va faire trois fois le tour de la place. Pour le plaisir des oreilles. C'est ça. Vous entendez pas la musique? Non. Non, moi j'ai désactivé la radio. Pareil. Ah. Si. Samir, t'entends la musique ou pas? Non, je te dis non. Putain, toi aussi t'as désactivé? T'as mais oui, pareil, les deux. Ça sert à rien. Oh, moi j'entends très bien la musique. Ouais. Je préfère mettre la mienne, tu vois. Oh là, y'en a un qui vient se mettre dans le cortège, quoi. Voilà. Jure. On a fait un tour. Parce qu'on fait trois fois le tour. Ils n'ont pas un tour là. Allez. J'enlève pas ma ceinture. Ouais, ça va frère. Ouais, ça va et toi? Ça va. Pas trop dur? De quoi? Et après ta soirée. Ouais. J'ai pas dormi 4 heures. Tu m'étonnes. Les frérots. Allô. Ça va? Les beaux bonhommes. Je vais faire ça à côté là. Oh là là. Gosse. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bah attends, il en manque pas un paquet là? Si. Mais je crois qu'il y a que eux, les autres ils doivent être en service ou je sais pas. Bah normalement ils sont pas en service ça pour ça oui. De ce que j'ai compris Il va y avoir un sacré ménage. Ouais. J'en fais pas partie.
Pour une fois que c'est pas une cité qu'on nettoie au Gargère. Pour les personnes présentes ce soir, je vous félicite. Voilà. Vous montrez que vous êtes présent, que vous portez un intérêt au Speedy. Voilà. Je vous cache pas que je suis déçu pour certains qui ne sont pas venus ce soir, pour qui j'avais, on va dire, une certaine admiration. D'accord. J'étais content de leur boulot, malheureusement, ils vont recevoir une lettre de licenciement. Sans plus tarder, on va commencer cette cérémonie, d'accord? Je veux appeler une personne qui mérite la promotion. On va commencer par 05. Dis bravo. Merci. Tu passes officier, d'accord? Continue comme ça. T'es présent, tu fais du bon boulot. Voilà. Si tu Merci. Continues comme ça, d'ici une semaine ou deux, tu seras peut-être officier 3, d'accord? 4. Merci. T'en as votre place. D'accord. Ensuite, nous allons appeler l'agent 06. Vous êtes actuellement officier, vous passez officier. Merci. Vous êtes un bon élément du LSP, continuez ainsi. Merci beaucoup. Vous êtes motivé. Et vous lâchez rien. Pour finir, 12. Vous êtes actuellement sergent 2. Oh. Merci. Pété. Vous faites de l'excellent boulot, continuez ainsi et vous serez bientôt sergent chef ou peut-être de l'état-major. On ne sait jamais. Je vous laisse retourner à votre. Voilà, malheureusement, il y avait d'autres promotions. Les personnes qui ne sont pas là, malheureusement, ne seront pas, tout simplement. Pour les personnes qui n'étaient pas là, qui ne sont pas là, je les félicite quand même. Certains ont prouvé qu'ils faisaient du bon boulot. D'autres l'ont prouvé via leur absentéisme. D'où leur lettre de licenciement bientôt dans leur boîte. Mais continuez ainsi, vous montrez une bonne image du LSPD, vous montrez présent, qu'on fait du bon boulot, aucune bavure, vice de procédure qui a été remarqué ces 3 derniers mois. Encore une fois, bravo. Bravo. Voilà. Madame la gouverneure, est-ce que vous voulez dire un mot? Félicitations messieurs, hein, comme l'a dit votre commandant, continuez dans cette voie, vous êtes bien lancés, donc c'est cool. Et merci de faire honneur à l'uniforme que vous portez. Voilà. Et j'en profite aussi, via de cette cérémonie, pour vous annoncer le retour de 16 d'ici une à deux semaines. Ok.
Pervers. Écoutez, on va y aller. 15 ouais, on peut s'entretenir après 15 et 19. Ouais, pareil. Oui, pareil, bien sûr. Ça, ouais. Okay. Bien sûr. Allez, on y va. Allez, c'est parti. En colonne, même colonne avec les grades, etc. Hop, je passe devant. Vous permettez. C'est parti, on suit. Ouais. Donc il n'y a plus qu'un petit tambour, tu sais, qui suit. Non. Tu vois ce que je veux dire? Comme les militaires en vrai, ce serait cool. Attends. Quoi? 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 Je voulais voir, tu veux absolument faire la pêche avec Esteban? Je voulais chanter une chanson. Non, non. Tu voulais chanter quoi? Je voulais leur chanter une chanson pendant qu'ils partent. Tu voulais chanter quoi? Je voulais leur chanter une chanson. Mais quoi comme chanson? Bah réfléchis. Attends, j'en sais rien ou quoi? Accroche tes mains à ma taille. C'est la chenille qui redémarre. Ah t'es le pire. Voyageur. Oh là t'es le pire. Et la chenille est tout son cœur. Écoute, moi je vois qui je peux mettre et puis après voilà. Ah putain. Voilà, bon, après, moi j'ai si t'es un employé, est-ce que tu pourrais pas me tenter? Je sais pas, il est peut-être grave. Désolé. C'est quoi ça? Écoute, tu réfléchis, bon, tu mets pas trop longtemps, tu réfléchis et puis tu me tiens au courant. Moi ça? Ok, pas de soucis. Bon. Je te dois faire aussi pour la facture, oui, de la semaine. La facture de mécano? Ah oui d'accord ok. Et la facture mécano normalement tu dois pouvoir la payer maintenant. Ah bah ben, ça. Là. Oh, ouais, il doit être content. Moi un peu moins. Tina tu m'as pas un peu oublié. Je vais peut-être en parler juste tu à... Pas, ouais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'ai un mec, quand je suis arrivé, il s'est barré en courant. Il est où? Rougegorge, j'y où Rougegorge? Ouais, il s'est barré. Il est derrière les maisons là-bas, enfin derrière l'immeuble. Il s'est barré en courant. On sait même pas où t'es en fait. Je suis parti juste derrière, Non, mais juste derrière, ça veut tout dire. Là, regarde à ta gauche. Là, tu vois. À ta gauche. Ouais, ok, c'est derrière moi ça. Vas-y. Le bordel qu'ils font avec leur sirène aussi, c'est insupportable. Non, non, mais ça, c'est mes frères. Non, non, mais je parle de. Non, mais laisse tomber, j'ai une capté en fait. J'ai rendez-vous là avec les deux commandants, donc je vais en parler maintenant. Ah, ça marche. Voilà. Moi, je peux lever les bras. Les frères, on se voit tout à l'heure, on s'appelle. Ouais, bah, tu sais où nous trouver. Hein. Ouais, mais je vous fais des gros bisous. Tu me donnes un message parce qu'apparemment, on a des soucis de téléphone. Ok, frère, pas de soucis. J'arrive plus à lever les bras. Moi non plus. Ah, si, c'est bon. C'est revenu. Il faut que tu fasses une sieste, vite fait. Ok, bon, on se voit tout à l'heure. Je vais à ma réunion au PDP et puis on se voit après. Ok, bah on se retrouve là-haut sinon. Ouais, mais bah on s'appelle, on verra. Ok, ok, allez, à tout à l'heure. Bisous, les gars. Bye. À tout à l'heure. Deux. Tu gérais, il t'appelle tête d'œuf, tu gérais. Ouais. J'ai même pas entendu. De toute façon, j'ai pas envie de rigoler. Ouais, j'ai pris un peu de temps, je regardais pas devant. Pourquoi t'as pas envie de rigoler? Tu veux qu'on te lui sur le crâne pour Accroche tes mains à ma taille. C'est la chenille qui redémarre. Accrochez-vous, voyageurs. Arrête. Voilà, tu rigoles, arrête de faire sérieux là. C'est bon. C'est bon, souris un peu. Tranquille, tranquille. Mets ton fromage. Oh putain! Ils vont tuer les flics en colonne là! Ouais. Ils étaient tellement beaux! Tout à l'heure, frère! Vas-y, bonne soirée, les gars! À tout à l'heure! Ceinture, ceinture! Ouais, y'a quoi d'autre comme musique? C'est bidon ça! Ah, ça c'est chez moi ça! Ça c'est ma cam!
De quoi? T'entends pas la musique, tu l'as enlevée. C'est... Tant pis pour toi. Moi et l'avocat, on est en train de s'ambiancer. Avocat et moi, toujours moi en dernier. C'est vrai, c'est ma politique. Mais comme je vous ai dit, je suis pas d'ici, donc je vais peut-être faire des erreurs de français. Attention, là, tu es de ma chaîne. Mais c'est un shérif qu'on a là. Et du coup, on vous attend devant, c'est ça? Ouais. Il fume la clope tranquille. Là, je suis énervé ce soir, c'est un truc de ouf. Pourquoi, Kesta? J'en sais rien, gros, je suis énervé. Y'a aucune raison, hein. Faudrait passer. Ah ouais, mais j'ai passé toute la journée aussi. Je suis énervé. T'as quoi? Je suis énervé, c'est tout, c'est comme ça. Mais pourquoi? Développe! Y'a une raison. Ça va passer. Développe, tu peux me parler, hein. Viens déjà, rapproche-toi de moi parce que je t'entends à peine. Viens. Comment ça, tu m'entends à peine? Bah, je t'entends pas fort, t'es loin. Rapproche-toi de mon oreille. Vas-y. Allez, allô, Ahmedna, viens. Samir. Attends, je suis en train de faire un truc, je suis en train de galérer. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais n'importe quoi. C'est fou. Bon, dis-moi, pourquoi t'es énervé? Parce que l'ambiance est plate. Comment ça? Je suis pas d'humeur en gros, je cherche pas. Voilà. Je cherche mais pas. Mais je sais pourquoi t'es pas d'humeur. Vas-y, arrête tes conneries, j'ai 2 minutes, je suis dans ma tête. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Turn away the turn. J'arrive. Bah alors, toi aussi, tu t'es fait mettre dehors? Du tout, c'est moi qui suis parti. Jure. Tu fumes, toi? On a vraiment le plus beau mythique du monde, moi je te le dis. Hein. Lui, il fume comme un pompier, lui. Payé combien que je rigole? De quoi? Payé combien? 1005. Dire que j'ai 5 ans d'études et que vous en avez pas, et payer ouais. même salaire. Ouais, alors, on doit garder des gens en vie, toi tu parles devant une cour. Tu veux jouer à ça Rien, des... On risque notre vie tous les jours, toi t'es assis derrière un bureau. Oui, tu veux qu'on joue à ça longtemps ou pas? Calme-toi. Non mais effectivement, ne crois pas qu'on n'a pas d'études, on ne devient pas garde du corps de la gouverneure sans études, hein. Tu ne deviens pas garde du corps juste parce que t'as envie, hein. Il y a des études pour faire garde du corps? Bien sûr! C'est quoi le niveau d'études? C'est Attends que je te dise pas de conneries. Je crois que c'est 3 ou 4 ans, je crois. Après, ça dépend en fonction. Une licence ou un master? Ça dépend en fonction de qui. Mais t'es obligé! T'es obligé! Oh, on parle de garder une vie, hein! On parle pas de. Pour être. Vigile au supermarché, t'en as pas besoin! Mais garde du corps, c'est autre chose, hein! On doit connaître la loi aussi, etc. On a des cours de loi et tout. Tu fais sur le continent? Ouais. Pas du tout ce que je fais sur le continent. Rien à voir. Tu fais quoi sur le continent? Je suis... Bah là, je viens de signer mon contrat pour travailler aux urgences. Ça tech. Aux urgences du CHU de Angers. Jure. De quoi? Je suis bien content. Bah bien. Si, bon après avec vraiment. Ce qui se passe en ce moment sur le continent, bonne chance. Hein. Il se passe quoi sur le continent de quoi? Sur le continent il va travailler dans les urgences. Ah, c'est bon, signé, tu vois la France après-demain. À Angers. Ah bah c'est pas loin d'ici en plus. Pardon. À quelques milliers de kilomètres quand même. Voilà, arrêtez de parler de. Putain ouais j'ai arrêté le HRP de merde là putain. Voilà. Okay. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai pas compris ce que t'as dit. C'est ça. Et fumer plus loin. Ils sont en train de saouler avec leur HRP de merde là, putain, tout le temps partout, à droite, à gauche, HRP, ta mère.
Samir? Ouais. Tu peux revenir à ton poste s'il te plaît? Je suis bien là. Non? Je suis à mon poste. T'es, c'est... Pas, près de... T'es pas près de moi, chaton. Tu me manques. Allez, viens, ramène-toi. Mais qui vois-je au loin? Un bel homme en costard cravate au crâne chauve? Ne serait-ce pas Samir, mon collègue depuis toujours? Si, si. T'aurais pas fini de fumer ta clope? Si. Elle était bonne? Ouais. Tu l'as appréciée? Elle t'a fait du bien? Elle t'a calmé? Bonsoir. Bonsoir. Bon. Ouais. Commence à se faire chier un peu là. Bah non, je fais mon taf. Tu vois comment je rigole? C'est du sarcasme. T'es vraiment con. T'es vraiment con. Mais c'est toi, t'es con! Là, la sécurité, les gars. On est au commissariat, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Bah. Ouais, j'ai jamais dit qu'il arrive. J'ai jamais dit qu'il arrive quelque chose. Il y a plus d'une centaine de flics dans le comico. J'ai jamais dit qu'il arrive quelque chose. Bah alors. Tranquille. Mais c'est bon, c'est pas tous les jours que j'ai envie de crier, rigoler sans arrêt. Wesh, y'a des gens, c'est bien d'être tranquille un peu, tu vois. Tu cries, toi? Aujourd'hui, c'est tranquille. Tu cries, toi? Alors arrête. Moi à la rigueur ouais, mais toi t'es calme hein. En tout cas devant la procureure t'es calme hein. Ouais bah attends quand le moment où je vais crier voilà. Ou alors t'es pas à la faire crier. C'est à toi de voir. Ah il aime pas, il est susceptible. Bien sûr, tu sais très bien comment je suis, enfoiré. T'inquiète. Non mais je sais pas, je suis fatigué, tu vois, je suis calme. Ouais mais je le sens, je sens que c'est, t'es pas dans ton assiette. Ouais. Je sens que t'es pas... Pas comme hier. Ouais, t'as pas la patate. Enfin hier j'étais pas là. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Je suis fatigué quoi. Chaleur. Des avocats ça. Non, on n'est pas des avocats, non. Excusez-moi, monsieur, personne n'a vu ce que m'a fait le shérif là? Bah non, on est dos, on peut pas voir. Non, non, mais oh, monsieur, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné un coup de boule. Ah, coup. Mais l'avocat devant nous, il est bigleux, je crois, il a oublié ses lunettes. Avocat? Oui, quoi? Il m'a donné un coup de boule, ce gentil shérif là?
Ah, vous êtes gentil, chérie. Pas si gentil que ça, hein, du coup. Hein. Non, 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 mais attendez, je vous explique. Il m'a dit, je testais un truc, je vais faire du cinéma. Vous voulez être d'accord? Bah, je dis, bah, je sais pas c'est quoi. Et d'un seul coup, il m'a sonné un coup de tête, ce con. Ah. Et bah, vous pouvez porter plainte, c'est un avocat juste devant vous. Tu es l'avocat, il risque quoi dans ces cas-là? Des séquelles? Pas des séquelles, mais j'ai un bleu sur le front, quand même, c'est symboliquement. Une frappe dans un commissariat de police, dans l'exercice de ses fonctions, c'est quand même grave, je trouve. Non, bah, dans ces cas-là, tu vas à l'hôpital et tu fais. Partie de. Non, vous êtes pas. Tu vas à l'hôpital, de la... tu demandes à un médecin qui voit tes blessures, et avec le... Merde, je vais faire mes mots. Si vous avez de l'ITT, en fait, tout simplement, c'est l'ITT qui compte. Même au-delà de ça, vous trouvez ça normal qu'un flic non, me frappe? Non, bien sûr que non. Non, mais faut qu'il ait de quoi la... Tu fais constater tes blessures, quoi, ouais, c'est ça. Ouais, faudrait, de toute façon, il y a des caméras, mais oui, non, mais je sais pas si j'irai jusque-là, mais juste savoir ce qu'il peut risquer quoi, à votre avis, pénalement. Ça dépend. Pour lui, vous êtes... Par rapport à lui, vous êtes qui? Moi je suis personne, ouais, je suis un simple citoyen. Un civil? Il a tabassé un civil. Voilà, vous connaissez pas. Mais du coup, c'est agression sur personne non armée. Bon, allez loin là. On peut aller jusqu'à un licenciement, hein, c'est sûr. C'est ce que je disais, il peut se faire virer. J'ai prévenu son shérif là qui vient de passer. Mais je pense que j'ai passé l'éponge cette fois. Mais la prochaine fois qu'il fait ça, je vais aller. Là, je fais, ouais, je vais aller devant le tribunal, c'est pas normal. D'autant plus que. Il me semble, enfin je sais pas si c'est le cas dans cet état, mais en principe, quand on demande le matricule d'un agent de défense d'ordre, il faut qu'il le donne. Il faut que ce soit justifié. Il a frappé, c'est justifié. Justifié. Et il m'a dit maintes fois 98 200 machin. Et quand il y a son collègue qui est arrivé, je lui ai raconté la même chose, il a menti, il a dit non, je lui ai dit plein de fois que le P31. Vu ces policiers corrompus. Ah bah, c'est les gens du Nord, hein. Vous pouvez quand même. Du Nord, attendez, et puis on fait ça multiplier. Je suis sûr que je peux vous assurer une belle attaque. En plus, tu vas toucher des beaux dommages et intérêts. Hein. Et quoi, j'ai un petit rendez-vous j'ai un petit rendez-vous à faire dans le studio de musique là. Après, je vais aller à l'hôpital faire constater mes blessures là, c'est pas normal. Studio de musique. Il y a monsieur Jiménez qui m'attend. Je sais pas si vous étiez au concert il y a 2-3 jours. Non. Ouais. Mais il est où ce studio de musique? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'était toi le guitariste? Ouais, c'était moi le guitariste. Et il est où le studio? Bah, moi j'étais celui en Costa Rouge, je sais pas si tu te rappelles de moi, j'étais tout devant. Il y avait tellement de monde, sincèrement. Oh, magnifique, je te dis ton concert. Okay, bah, parfait. Parfait. Magnifique. Est-ce que je... Mais putain, je t'avais même pas reconnu. Ouais, bah, c'est moi. Monsieur l'avocat, est-ce que je peux prendre votre numéro? J'ai pris un vent là. Allez, 10 secondes, j'arrive. Excusez-moi. Et il est où le studio de musique? Et pas trop loin du chantier de construction, vous savez, pas loin du concessionnaire. Ouais. Du coup, est-ce que vous avez apprécié le concert? Ça fait plaisir. Ah ouais, franchement, j'ai bien aimé, hein. Surtout Lose Yourself de Eminem, elle était incroyable. Tu l'as géré de ouf celle-là. Sports are sweaty, music I'm heavy, this woman is sweaty. Exactement, ouais. Quoi dans la vie, messieurs, à part regarder un commissariat en costard? On garde pas le commissariat là, on garde quelqu'un qui est dans le commissariat. Il y a qui? Y'a le maire? Oh, y'a au-dessus. Le gouverneur? Absolument. Ah, donc vous êtes garde du corps de la gouverneure? T'as tout compris. J'ai tout compris, trop fort. Trop malin. Trop smart, hein. Ah voilà, bah d'une puissance, j'ai jamais vu ça. Foutez-vous de ma gueule. C'est comment? Non, hey, il paraît qu'il va y avoir un nouveau concert, Ariel Magic. Hey, alors, à moins il y en aura plusieurs, ouais, ce sera pas là. On va en faire plusieurs, faut que je signe d'abord au label, mais ouais, carrément, moi je vais en faire plusieurs. Ouais. Et t'es payé pour les concerts? Attendez. Ou tu fais juste de façon bénévole? Là, j'ai fait bénévole, mais. Mais de l'argent? Madame Ariel m'a un peu rémunéré, ouais. Oh, l'argent? Tellement gentil cet Ariel. C'est fou. Vous voulez gagner de l'argent avec le coup de boule de l'autre? Il y aurait soucis. Moyen, je pense. Hein. Pas de soucis, je peux vous faire un dossier, il n'y a pas de problème. Mais vous savez quoi, monsieur l'avocat? Monsieur l'avocat, je vais prendre votre numéro. Si ma mère, j'ai rien d'autre à foutre, alors il n'y a pas de soucis, on va prendre votre maintenant. Numéro, je vais à mon rendez-vous, ensuite je fais constater. Il est chaud pour faire et tout. T'es bien tombé de ouf parce que vraiment, il a rien d'autre à faire. Vraiment, écoutez, dossier, je vais monter mon dossier de mon côté, 6939, mon numéro, très facile à retenir. En plus, il est témoin, 6939. Mais oui, on est à témoin. Après, nous, s'il faut témoigner, on témoigne aussi. Ah. Donc, nous avons vu Monsieur X
avoir un rapport violent envers vous, envers c'est mon client. Un rapport violent. Alors ça par contre. Par contre, la vie de ma mère, vous n'êtes pas là pendant, le, pendant le, l'audition parce que sinon c'est même pas la peine. C'est 69-39, vous m'avez dit. C'est ça. Parfait, je vous envoie un petit message. Il lui a bien coup de tête, ouais. Le policier c'était 31 et moi c'est monsieur Daniels. Attendez, je prends une petite feuille. Ah, ce professionnel. La vie de ma mère, elle est où mon bloc-notes? Vous avez reçu un message dans votre poche gauche, dans tes poches peut-être. Attendez, parce que j'ai des grandes poches. Vous avez regardé ta poche à gauche, t'as regardé ta poche à droite, t'as regardé la... dans ton bureau, dans ta poche. Vous avez reçu un message, monsieur Lavoie? Oui, oui. Attendez, je reviens parce que mon bloc-notes est tellement profond qu'il faut y rentrer dans la poche. Je reviens. Ouais, vas-y, rentre dans ton bloc-notes, ouais. Messieurs, j'ai un rendez-vous au studio. Ensuite, je vais à l'hôpital faire constater mes blessures et je reviens vers vous, monsieur l'avocat. Ça marche? Faut noter mon numéro. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, c'est bon. Eh, bah, on les dira, t'inquiète. Gars. Ouais, on est témoins. Moi, je suis témoin. Eh, vous pouvez même dire qu'il m'a menacé si vous voulez. C'est quoi ton numéro? Non, je vais dire, c'est juste ce que j'ai vu. Ah, il a pas entendu. C'est quoi son numéro? Non, en vrai, il lui a vraiment mis un coup de tête par contre. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais c'est quoi son numéro? Il l'a pas donné, c'est l'avocat, il lui a juste donné le sien. Ah merde, il faut son numéro. Il appellera jamais pour ça, il s'en bat les couilles. Il utilisera l'avocat pour quelque chose de plus grave, je pense. Ce serait vraiment un chien de faire ça juste pour ça, franchement. Il y a pas beaucoup de flics. Oh, t'as vu ou pas la gouverneure ce qu'elle a fait? Quoi? Où? Vu que les patrons ils lui ont pas ramené les sous, elle augmente de 10%. Bah c'est normal. Les taxes. C'est normal. Ils attendent plus à montage, t'as plus de barre. C'est normal. Par contre, faut que... Je sais pas comment te dire, mais je vais devoir être absent 2 secondes dans ma tête. Ouais, bah mets-toi sur le téco contre la haie ou un truc, tu vois. Ouais, vas-y, bouge pas. Je vais prendre une pause. Je prends juste une pause vite fait, j'en ai pour 5 minutes. Il y a des chaises au pire là-bas. Ouais, je vais me mettre dedans.